Bonjour tout le monde. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je devais déjà vous faire cette vidéo depuis au moins une semaine. Mais j'ai pas encore eu le temps. Alors, je prends le temps là maintenant. Voilà, je suis allée à Action la semaine dernière. Acheter un truc. Je sais plus quoi d'ailleurs. Et j'avais vu sur Facebook qu'il y avait une nouveauté qui était sortie à Action. Bon, donc j'étais pas partie pour l'acheter. Je m'étais dit qu'en voyant sur Facebook, bon, si je le vois, je regarderai, puis bon, je le prendrai. S'il n'y est pas, bon, c'est pas grave, ce sera pas la fin du monde. Hein. Puis bon, là, ce jour-là, l'article était dans les rayons. Et puis, comme c'était pas très cher, je me suis dit, bon, je vais le prendre. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est ce suspense. Non. Allez, je vous montre. Alors, normalement, je voulais l'essayer avant de vous faire la vidéo. Et comme je viens de vous dire, j'avais pas le temps. Oui, je suis très occupée. Je travaille pas, mais je suis très occupée. Et du coup, j'ai pas essayé avant. Donc, il est encore dans son emballage. Je ne l'ai même pas ouvert. Donc, c'est ça. C'est un stylo chauffant pour écrire avec du foil. Donc, le foil. Oh, je ne sais jamais bien le dire, ce truc. Voilà, le papier doré est là. Le stylo est là. Donc, il y a la prise que l'on peut, brancher directement sur son ordinateur. Donc là, avec, vous n'avez que la prise USB. Moi, dans mon atelier, mon ordinateur n'est pas ici en haut. Il est en bas, mon ordinateur. Donc, je n'avais pas envie de le monter. En plus, j'ai la flemme aujourd'hui. Je viens de me taper 2 heures de jardinage. Donc, je ne vous dis pas, j'ai les genoux en compote, le dos en miettes. Voilà. Donc, je n'avais pas envie de monter mon ordi. Donc, j'ai monté la prise de mon téléphone. Voilà. Ça ira tout aussi bien. Alors, je vais d'abord l'ouvrir. Hein, ce sera plus pratique. Alors, j'ai vu sur des vidéos. Alors, par contre, ils ont sorti ça, mais ils n'ont pas sorti les rouleaux de foil qui vont avec. Parce que j'ai vu sur une vidéo, j'ai oublié son nom, j'en suis désolée. Si je retrouve le nom de la chaîne, voilà, je vous remettrai en incrustation. Donc elle a fait pareil, hein, comme je vais vous faire, elle avait fait les essais sur sa chaîne. Désolée pour le bruit. Hein. Je vais essayer de parler plus fort pour qu'on n'entende pas le bruit. Et donc elle a le foil de la machine. Alors celle-ci. Ah, attendez. Hop. J'aurais dû la préparer. Voilà. De celle-ci. Voilà. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo avec ça pour quelque chose. Et ce qui est... Normalement, je ne sais plus si c'est la même marque. Oui, c'est la même marque. Hein, Craft Eco. Et le papier n'est pas le même. Voilà. Donc, il ne fonctionne pas avec le stylo. Donc, je sais qu'elle devait contacter la marque pour savoir quoi. Parce qu'elle avait fait des essais donc sur sa chaîne. J'essaye de récupérer le carton pour lire ce qui est marqué. Voilà. Elle avait fait des essais donc avec ce papier-là. Excuse-moi, que j'ai mis ici. Voilà. Et bon, il paraît que ça ne fonctionne pas.
Donc on va faire un petit essai quand même après. On verra bien. C'est ce qui c'est ballot. Parce que comme c'est exactement la même marque, c'est un peu ballot qu'ils n'ont pas fait la même qualité de papier. Bon. Donc c'est déjà, si ça ne fonctionne pas, je vais essayer. Si ça ne fonctionne pas, c'est déjà un point négatif. Donc voilà. Donc vous avez le stylo. Vous avez à peu près, vous avez 1 mètre de câble. Donc ça va, hein. Et donc moi, je vais le brancher avec ma prise de téléphone. Et je vais brancher du coup sur secteur. On va brancher le secteur. Voilà. Alors, ils disent qu'il faut 1 minute pour que ça chauffe. Voilà. Donc, on va le laisser chauffer pendant 1 minute. Hein. Pendant ce temps-là, on va papoter. Alors, ils disent qu'il y a un câble USB. Donc, 1 minute de réchauffement. Poignée résistante à la chaleur. Donc voilà, c'est ici, c'est en caoutchouc. Et la pointe de stylo fait 1,5 mm. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas mettre mes doigts dessus, mais c'est là, la pointe. Hein, voilà. Alors, ils disent stylo thermique permettant de créer de fins effets métalliques sur les cartes, les bullet journal, les scrapbooks et bien d'autres choses. Veuillez noter, alors c'est là qu'on ne comprend pas, ne fonctionne qu'avec Craft & Co. Heat Active Foil. Donc, moi, la machine ici, alors je sais plus si j'ai la notice, je vais regarder dans le papier, c'est bien une Craft & Co. Voilà. Ici, donc c'est bien du Craft & Co. Alors, est-ce que j'ai la notice là-dessus encore? Je ne sais pas. Ou alors, ah, j'ai le carton. On va regarder avec le carton. Hop, 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 viens par ici. J'ai bien fait de garder le carton. Sur le carton, il n'y a rien de marqué. Donc, j'ai la notice à l'intérieur. Voilà, ça sert de garder les choses. Ah, ben, j'ai même encore mon ticket de caisse pour la garantie. C'est bien la première fois. Alors, en français, s'il vous plaît. Voilà, français. Donc. Nanana, on s'en fiche. Ce que je veux savoir, c'est les feuilles. Il ne parle pas des feuilles. Non. Ils ne disent pas avec quelles feuilles ça fonctionne pour la machine. Non, là, ils ne disent rien. Parce que la machine, c'est bien une Craft & Co. Ça, il n'y a aucun problème. Et pour les feuilles, ils ne disent rien. C'est les marques feuilles d'or, feuilles d'argent, feuilles de support. Et donc, voilà, ils ne marquent pas la marque des feuilles pour la machine. Alors, du coup, je ne sais pas si les feuilles qu'on a eues avec la machine. Ce sont des Craft & Co. Et là, depuis que j'ai acheté la machine, je n'ai jamais trouvé de rouleau de folle. J'en ai jamais eu. Donc, bah, on verra bien. On va faire un essai après. Et on verra. Bon, je vais prendre une petite feuille de papier noir. Je vais prendre une chute. Si j'en ai encore là. Oui, j'ai des chutes ici. Pas la peine d'user une grande feuille hein, pour faire des essais. En voilà une.
sur le noir, ça se verra mieux. Alors, je ne vais pas mettre mon doigt pour me brûler. Je cherche mes mots. Alors, est-ce qu'ils ont mis le bout? Alors, le bout de la feuille. Ah, ils ont mis un petit scotch. Super. Ah, heureusement que j'ai des ongles, hein. Pour celles qui n'ont pas d'ongles, bonjour. Bon, par contre, avoir des ongles, c'est bien. Mais là, comme je viens de faire le jardin, c'est pas bien non plus. Voilà, j'ai eu mon petit bout de scotch. Alors, maintenant, il faut que je trouve le bout. Il est là. Donc, voilà, le papier. Hein. Donc, je vais m'en couper un petit bout. Hop. Pour faire l'essai. Donc là, je ne sais pas combien il y a hein, dedans. Ils ne lisent pas non plus. Je ne sais pas. Alors, ce que je vais faire, je vais vous mettre ici pour que vous puissiez avoir une vue plongeante. Comme ça, vous verrez mieux. Ce sera plus pratique. À tout de suite. Donc au moins, ici, vous verrez mieux. Donc, j'ai mon stylo, j'ai ma feuille. Donc, on va essayer un petit motif pour l'instant, pour voir ce que ça donne. Le bout est chaud. Pas très, pas beaucoup, pas très très chaud, mais bon. Alors, on va se faire un petit cœur. Oula, ça bouge. Ah, bah c'est bien. Voilà. Mon petit cœur. Bon, là, il n'est pas extra extra, hein, mais bon, c'est un essai. Et voilà. On va refaire autre chose. Allez, on va écrire mon nom. Voilà. Ben, ça va nickel, hein. C'est très bien. Donc, si je frotte, ça bouge pas. Non, mais j'aime bien. Voilà. Donc, pour faire des petits motifs, donc vous voyez. Et de l'autre côté, bien sûr. Donc voilà, avec cette petite feuille, ça marche nickel. Donc ce qui serait bien, c'est qu'ils nous ressortent donc du papier folle. Et si possible, ben, ce serait bien qu'on l'ait en plusieurs couleurs. Alors, on va essayer justement donc avec le papier de la machine pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc justement, voilà, j'ai une feuille entamée. Donc, normalement, c'est le même papier. Alors, on va le mettre l'un à côté de l'autre pour voir la différence. Non, il y a une petite différence. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, vous, à l'écran. Moi, là, l'œil nu, bon, c'est... Non, il n'y a pas tellement de différence. Alors... J'essaie d'y aller plus lentement pour voir.
Bon, déjà, je vous montre la différence. Alors, je vais essayer de vous montrer la différence. Non, bah ça marque pas. Effectivement, ça va pas. Vous voyez, il n'y a rien. Et pourtant, vous voyez. Donc, les feuilles de la machine ne fonctionnent pas sur. Alors, je vais réessayer. En essayant. En passant mon stylo plusieurs fois sur la même ligne. Non, ça fonctionne pas du tout. Donc les feuilles de la machine ne fonctionnent pas du tout avec le stylo. Voilà. C'est bête. C'est la même marque, mais ça ne marche pas. Donc, alors, est-ce qu'ils ont fait ça pour qu'on rachète d'autres feuilles en plus, ce qui est bête. Parce que comme c'est la même marque, alors, ou alors c'est une question de chaleur. Bon, le stylo, bien sûr, je pense qu'il ne chauffe pas aussi fort que la machine. Et donc, c'est peut-être pour ça que le papier n'est pas pareil. Parce que, bon, niveau épaisseur, c'est la même chose. Donc, je ne sais pas. Donc, ben voilà. Donc, s'ils refont des recharges de papier, il va falloir qu'on fasse attention, qu'on achète bien les recharges qui vont avec le stylo. Et s'ils refont des recharges pour la machine, ben, qu'on prenne bien les recharges qui vont avec la machine. Et ça, c'est plutôt bête. Voilà. Bon, sinon, vous voyez, bon, ben, ça fonctionne quand même bien, le stylo. Mais ce petit souci me chiffonne quand même. Ah, allez, on va faire une petite fleur. Parce que là, on voit que le papier reste bien collé. Hop, voilà. Et là, ça marche. Donc, voilà. Donc, mon avis, le stylo marche nickel avec le papier que l'on a reçu dans le... Avec le... Ici, hein, avec l'emballage. Voilà. Et je suis en train... Ah, c'est une feuille de... Voilà. De 15 cm sur 1,22 m. Donc on a 1,22 m de papier. Ce qui est bête, c'est que les feuilles qu'on a eues avec la machine, bah, ne fonctionnent pas avec le stylo. Alors que c'est la même marque. C'est un gros point négatif pour moi, je trouve. Voilà. Parce que ça va faire des dépenses supplémentaires. Pour pouvoir se servir du stylo après, quand on n'aura plus de papier. Ah bon, alors que moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas eu du tout de rouleau quand j'ai acheté la machine et j'en ai jamais trouvé depuis. Voilà. Donc voilà, bah sinon, ça fonctionne bien. Voilà, pour faire des petites écritures sur une carte ou bah, sur un scrap, sur, bah, comme il dit, sur la bullet journal, si vous en faites un. Voilà. Donc voilà. Donc, un petit bonhomme vert, un petit bonhomme rouge pour moi. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo du jour, hein, pour faire l'essai donc de ce stylo, je vous remets en face pour que je vous voie mieux. Je vais l'éteindre pour pas que ça chauffe pour rien. Voilà, donc si vous l'avez acheté, bah, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous en servez régulièrement? Moi, bon, là, c'est la toute première fois que je m'en sers. Bon, je pense que c'est le genre d'objet qu'on ne va pas se servir tous les jours non plus. Comme... La machine. Bon, la machine, bon, je vous dis, je vous ferai une vidéo
de comment s'en servir également d'une autre façon. Parce que ça, je pense que ça a été c'est un gros flop. Beaucoup d'entre vous l'ont acheté et comme moi, pour la machine est dans un coin de l'atelier. Donc ça, je pense que c'est un flop. Parce que on imprime, mais c'est une imprimante. C'est une imprimante laser, je crois. Je confonds les deux. Laser ou jet d'encre. Enfin, c'est l'imprimante qu'il faut que l'on ait chez nous. Ben, c'est pas celle qu'on a. Voilà. 99% d'entre nous n'ont pas l'imprimante nécessaire pour se servir de cette machine. Voilà. Donc, c'est pour ça, il y a une autre technique pour pouvoir un petit peu rentabiliser cette machine. Donc, je vais vous refaire une autre vidéo là-dessus. C'est pas moi qui ai inventé le truc, hein, je l'ai vu sur YouTube. Donc, je referai une vidéo pour celles qui ne connaissent pas. Mais ça, cette machine, c'est un flop. Voilà. Je sais, et en plus, c'est doublement un flop parce que quand j'ai vu que je ne pourrais pas m'en servir vraiment comme je voulais, j'ai même essayé de la revendre. Personne n'en voulait. Voilà. Donc ça, je crois que c'est une machine qui ne vont jamais ressortir, de toute façon, parce que c'est le flop complet. Alors, le stylo. Là ça fonctionne, hein, on voit, mais il faut qu'ils nous sortent donc les rouleaux de papier qui vont avec. Donc voilà pour aujourd'hui ma petite vidéo. Allez, je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses. Comme d'habitude, à bientôt, gros bisous.